Hey, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des modes qui vont permettre de modéliser votre expérience de jeu. Alors, tous ces modes sont disponibles sur Nexus et sont garantis sans crash et compatibles entre eux. Je les utilise depuis des mois et pas de soucis. Alors, le premier, il va vous permettre de placer des NPC un peu partout dans votre ville, donc que ça soit des PNJ alliés ou ennemis. Vous allez pouvoir créer des petites batailles, etc. Ça peut être sympa. Ça peut vraiment changer votre expérience de jeu, du coup. Voilà ce que vous pouvez faire, par exemple. Alors, le deuxième, vous allez pouvoir créer votre propre compagnon, et même 5 ou 6 si vous le voulez. Voilà, donc, il y en a par défaut dans le jeu. Alors, il y a un bug, quand même, avec ce mode. C'est que le mode vous permet par exemple de faire spawn Obama, carrément. En mode Fallout 4, sauf que ça ne marche pas. Donc c'est vraiment le petit bug du mode, mais sinon il est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir enfin jouer avec votre compagnon de rêve. Le troisième, ça augmente les démembrements, donc je vais pas vous montrer d'image parce qu'il est moins de 18. Enfin, il est plus de 18 ans, donc je sais pas quel public regarde ma chaîne. Et je pense qu'il y en a moins de 18, peut-être des âmes sensibles. Enfin, si je joue à Fallout 4. Ça serait bizarre, mais je vous le montre pas. Mais il rajoute énormément de sang, de gore, etc. Ça rend le jeu beaucoup plus réaliste. Et enfin, le dernier qui est lui plus pacifique. Vous allez avoir des saisons dans Fallout 4 et ça va changer totalement le décor et c'est pas mal du tout. Il est vraiment au point ce mode. Voilà, quelques petites images de l'automne. Ensuite, tout ça c'est l'automne. Voilà, le printemps. Et donc ces 4 modes là, à part le mode de démembrement, ça peut changer totalement votre expérience de jeu et vous impliquer plus dans votre personnage, etc. Par exemple, le dernier mode, les décors, des fois, on ne les reconnaît même pas. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais des gros bisous et vous dis... Liberté !